première sortie de l'année. Quand je dis première sortie de l'année, c'est premier 100 km en fait, ou un peu plus. Mon programme aujourd'hui pour faire ces 100 km, c'est d'aller jusqu'à Spa par la vallée, monter par le Rosier Nord, redescendre par Cours sur la Glaise. Une fois que je suis à la Glaise, je vais aller à l'Orcé, direction l'Orcé, remonter sur Chession, repartir sur Chevron-Arzé. Je ne suis pas certain que je vais passer dans les villages, mais dans le bois, ça c'est certain. Ensuite, on va retourner vers Éouailles, de nouveau la vallée, direction Comblain, mais je ne vais pas à Comblain. En face de Chambral, il y a une petite côte qui monte sur Fréture. Je vais essayer cette petite côte. Et puis après, on descend sur Rivage, Esneux, Maison. Pour m'alimenter et je vais entamer la côte du Rosier Nord. La difficulté du jour, la montée du Rosier Nord, 5 km, la petite sœur du Rosier. Thank you.
pas aujourd'hui qu'on va faire un com. Hein. Le soleil est sorti là, tout doucement, ce qui va rendre cette ascension un peu plus agréable. Première partie terminée, les gros pourcentages sont derrière moi, on va récupérer un peu là. Avec vous, j'ai quand même un peu de mal. Je me demande si les entraînements d'entraîneurs sont efficaces. Par contre, je suis assez content d'être là. J'adore cet endroit, ce calme. J'ai l'impression d'être tout seul là. Par deux ou trois voitures qui passent de temps en temps. Proche au but là, le domaine de Beringsen est juste là à gauche dans 200-300 mètres.
Je suis sur la route de l'Orsay là. Je vais entamer la deuxième difficulté du jour. Après 57 km, je vais monter sur Chession. Un peu pourri ça. Voilà. Belle crasse, hein. Encore un petit passage là à 15. Alors, presque en haut. Je vois le village là. Je suis à Werbeaumont, j'ai fait un peu moins de 70 km, donc j'ai pas beaucoup avancé depuis mon dernier stop, mais je viens de me choper en fait trois côtes l'une derrière l'autre, de porter mon D+ à un peu plus de 1000, et en plus j'ai vent de face. Bon, maintenant je vais redescendre sur les Wai, j'espère juste
que j'aurai un tout petit peu moins de vent. Je vais monter sur rang 2, donc un petit village qui est, on va dire, sur l'entité de Fréture, même si c'est pas tout à fait le cas, mais comme ça vous situez un peu. Et donc c'est une jolie petite côte à nouveau qui fait entre 3 et 1 km, et les passages les plus pentus vont se trouver dans le village. On a démarré de Martinrive et on va monter jusqu'à Rouvreux. Thank you.
92 km au compteur, un peu plus de 1300 en D+, une jolie sortie. J'ai mis beaucoup plus de temps que ce que je ne pensais, mais ça m'a fait du bien de sortir. Par contre, j'ai des doutes sur cet entraînement sur le home trainer. Je pense que c'est pas ça que je dois faire. Je vais regarder un petit peu ça de plus près.